électronégativité. Dans une molécule, les atomes sont liés par une liaison covalente qui correspond à la mise en commun de deux électrons, un doublet d'électrons, par deux atomes, chaque atome apportant un électron. Une liaison covalente est représentée par un tiret entre deux atomes. Ce tiret représente un doublet liant. L'électronégativité d'un élément chimique est une grandeur qui caractérise sa capacité à attirer les électrons partagés avec un autre élément dans la liaison covalente. Le concept d'électronégativité a été introduit par Berzelius en 1835 et amélioré par Pauling, qui a créé une des échelles d'électronégativité. Dans l'échelle de Pauling, l'électronégativité d'un élément chimique est notée qui ? L'électronégativité varie entre 0,7 pour le francium, qui n'est pas représenté dans cet extrait du tableau périodique, et 4,0, la valeur maximale, pour le fluor. L'électronégativité n'a pas d'unité. L'électronégativité augmente de gauche à droite sur une même période du tableau périodique. L'électronégativité augmente de bas en haut dans une même famille, c'est-à-dire dans une même colonne. L'électronégativité d'un gaz rare est nulle, car un gaz rare ne peut pas former de liaison avec un autre élément chimique. Les gaz rares sont inertes chimiquement. La différence d'électronégativité détermine la nature de la liaison covalente. La liaison covalente est polaire lorsque la différence d'électronégativité entre les deux éléments est comprise entre 0,4 et 1,7. La liaison est apolaire lorsque la différence d'électronégativité entre les deux éléments est inférieure à 0,4. Par contre, on a une liaison ionique, c'est-à-dire que ce n'est plus une liaison covalente, lorsque la différence d'électronégativité est trop importante et qu'un des éléments attire totalement les électrons de la liaison, c'est-à-dire pour une différence d'électronégativité supérieure à 1,7.